Le terme déjà, le terme que il m'extermine. Léo, à la derecha, à la derecha. Bienvenue du coup ce soir pour une soirée FC Chicha. Le FC Chicha, c'est un truc qu'on fait, c'est du club pro qu'on fait à chaque fois le soir avec Esto et Haken. Le principe est très simple de toute façon, on a réussi à monter jusqu'en Div 1, on a un peu des private jokes historiques on va dire du FC Chicha. Et le principe du FC Chicha tout simplement, c'est juste de jouer en club pro entre potes et de se vanner toute la soirée. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête et je vais tout de suite me reconnecter au Discord parce que je me suis mute pour cette intro. Et puis il y avait déjà le contrat qui avait été proposé à ceux. On parle foot aussi, hein. On parle foot. On va parler foot ce soir. Parce qu'en plus, on est le jour de la venue de Lionel Messi au PSG. Sauf que Clément est un gros supporter du FC Barcelone. Du coup, on va y aller mollo avec lui ce soir. On va essayer d'être un peu sage. On veut pas trop l'enquiquiner. On va être sage au moins début. Au moins début. FC Chicha d'ailleurs, petite référence. Hein. Le nom FC Chicha, ça vient du fait que à l'époque, je pense encore maintenant, dans les vestiaires de certains joueurs du PSG, il y avait des chichas. Voilà, dans les casiers, par exemple, on peut citer Rabiot, hein, Rabiot au hasard, voilà. Rabiot, Véro, elle nous cassait les couilles, mais son fils, il fumait des chichas et il savait pas tenir 90 minutes. Mais bon. Franchement, le transfert, il est. Ça parle de quoi ? C'est du jamais vu. Bon, on parlait du transfert, comme quoi c'était. Quel transfert ? Jamais vu, quoi. Du petit homme. De la puce ? La Pulga. La Pulga ? C'est ça ? On parle de ça ? Les gars, pause. Pause. Il y a un truc qu'on peut faire ce soir qu'on ne pouvait pas faire quand je bossais parce que le mardi soir j'étais occupé. Parce que là, je vois qu'on a 3 matchs Div 1. Mais là, on a une coupe distance. Parce que allez, là juste c'est chaud. Juste pour la coupe distance, ça reste correct. C'est un but dans la surface, deux en dehors. Oh, j'ai envie de rentrer sur le terrain en parlant espagnol comme Kylian. Vamos, chicos, eh. Es una final, eh. Para nosotros, eh. Hola, chicos. Vamos, vamonos, vamonos. Il a dit ça? Et c'était en finale. Non mais attends, mais le truc drôle, il a dit ça au portugais. Il a dit ça à Danilo, frère. Le mec non, est mais complètement à l'ouest. Quand Messi va faire des replis en marchant tête baissée vers la défense. Frérot, quand à la fin du match tu vas voir Messi, il aura couru 7 km, tu vas vriller mon frérot. Et Daniel Riolo va hurler sur Messi. Oh là là. Oh Messi il fume la clope, c'est de la faute à Verratti. Du coup Mbappé, pensez l'année prochaine il fait quoi? Il parle déjà espagnol. Ça y est, il est bilingue. Non mais ils sont obligés de leur signer, ils sont obligés. C'est juste un comportement de gros suceur si jamais il est en mode non, moi je veux jouer pour le Real de Madrid. Après le Real de Madrid, la Casablanca après, est un grand club. Son délire de l'équipe est pas compétitive, c'était du flan. Ah oui, là c'est bah frère, à un moment tu veux qu'on ramène qui là? Broly genre là. Je vais attendre de voir le mercato. Là. Je remets. Je remets, je replace. Et c'est la finale, Chico. Tu fais trop bien, t'as la même voix, frérot. Et c'est une finale, Chico. Vamos, Chico. Vamonos, Chico. C'est non, Mbappé, c'est un giga acteur dans tout ce qu'il fait. Il me débecte, sérieux. Oh. Oh, ben fuego, chico. Hola, Messi, yo soy Kylian. Quand tu vas entendre sur le terrain, Léo, à la derecha, à la derecha. ven defender con nosotros, Messi. tu le fais trop bien, bâtard. Il a dit con nosotros. Ah si, tu déposes un grand rogador. Je suis sûr, il a déjà fait ses cours d'espagnol en se disant je jouerai au Real de Madrid. La Casablanca. Florentino et tout, est un grand amigo d'ami. Oh, la vidéo d'annonce vient d'être postée. Attendez, annule. Réaction, on passe en react. Oh non. Ah si, non. Si, gros, elle vient d'être postée vraiment il y a 40 secondes. Go. La haine, j'ai envie de pleurer. Il est fort quand même le GFX qui a fait ça en si peu de temps. C'est un drone ça, frère. Non, puis même le pilote il est incroyable, frère. Oh, là, le pilote du drone il est trop fort. Eh hey, frère, le pilote c'est Messi en fait, il est décroché. C'est honteux, c'est honteux. Il est où? La musique. C'est honteux, il est trop beau. Frère, il est trop beau. Dos, regarde le dos. Messi. Oh là 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 là, Messi. La Trenta, la Trenta. Let's go. Let's go. Messi.
les gars, est-ce qu'on peut pas. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire? Moi, oh, je l'annonce crois que c'est incroyable. Incroyable. L'annonce est incroyable. J'ai eu peur qu'il choque l'annonce. L'annonce est incroyable. Je provoque. Attends. Hey, il a dribblé comme Mbappé, frère. Oh là là. Il est bien Mbappé sur le terrain. Et sur la finale, Chico. Vamos. Allez. La défense. Oui. Oui, Passoire. C'est dans ces grands moments qu'on reconnaît Passoire. Je coupe. Sur la dernière seconde. Oui. Putain. Mon frère. Descendez. C'est les penalties. Oh non, pas les penalties. Allez les gars. Enfin, je fais pas les pénaux. Après, une finale sur pénaux, c'est intense. Quoi. Allez. Je vais suer du cul. Vas-y. C'est un trophée. On gagne. Vas-y, on gagne là-dessus. En bas. Let's go, putain. Le sauveur. Ils sont à terre, tout le monde est au sol. Il s'est chié dessus. Oh là là, on voit. Dégage. Oui, la coupe. Oh, Esto clutch player. Parisien, la délivrance. Et champion. C'est pas tous les jours un trophée. Faut qu'on les savoure, ces trophées. Oh, les belles, cette coupe distance. Après la coupe IA, on vient chercher la coupe distance. Quelle sera la prochaine étape? Le Galactic Football. Copa d'Espagna, c'est écrit dessus. Vamos, chicos, eh. Ouais. Allez. Et j'ai mis Messi en story Insta. Et qu'est-ce qu'il est beau, quand même. Ah, il est beau gosse, hein. Avec son maillot de 30 et tout. Oh, à quoi là. Franchement, je le sucerais bien, Léo. Franchement, contre un million. Allez. Contre un Mars, frérot. Contre un sneakers. Tu sais, je le peps vite fait, tu vois. Genre vraiment. Est-ce que t'as déjà gobé les deux boules d'un mec? C'est comme il y en a une. Une fois, l'autre, il avait fait une tête. Qu'il avait dit, ouais, c'est quoi ta taille idéale? 20, 25. Elle a dit, non, 20, 25, c'est normal. L'autre, il a bégayé. Il a fait, waouh. Tu feras gaffe. Je crois que 20, 25, t'es déjà dans le 1% de la population. Non, mais frère, 20, 25, c'est déjà. T'es un acteur pour nous, en fait. Genre, juste. On va demander à Doise. Non mais les gars, déjà 10 quoi. Quoi? Allô? Ça va les gars? Au revoir. C'était Doise qui m'avait fait hurler. Au revoir. Mais pourquoi, il avait dit quoi, Doise? Doise, il était pendant un moment, même en stream ou quoi, je crois que c'était en stream. Il était en mode, non mais les gars, moi j'ai vraiment un petit gag, mais je rigole pas. Et nous on trollait, on était en mode, bah nous aussi on a des petits gags et tout, tu sais. Il était en mode, non mais moi c'est vrai en plus, j'ai un petit gag. Quel enculé! Et ça me fume pendant 20 minutes, il était en mode. Mais moi je rigole pas, j'ai un petit sgeg, je vous dis! Il voulait que ça sache, il avait un poids! Une petite queue! Putain, que ça m'étonne! J'ai une petite queue, les mecs! C'est vrai que le terme queue, il m'extermine, frère! Eh, c'est incroyable! Le terme queue, ça commence à faire bien beau, fin maintenant! De ouf! Queue! Elle sort ta queue! Attends, je vais laver ma queue! Oh oui, le culot! Oh, putain, Zouzi, ta splendeur! Ton imagination! Parce que quand on joue avec le cœur! Dans Fonseca, il jette parce qu'il a un accent et clash des lancers comme ça. Quand Zouzi prend la balle pour il un corner, rouge à lèvres. Tu comptes aller au parc, bien sûr. On va juste attendre que les billets soient. Enfin, parce que là, juste après le Covid direct, je pense que les billets vont être un peu trop chers. D'ailleurs, Esto, le parc, ouais. Y a un dos à gérer maintenant. Bah, on y va avec J'ai la dalle. Ah, mais vraiment? Bah. Ah, c'est validé là, vraiment. Le dos? Ah, en fait, si je veux y aller, je l'appelle quoi. Je suis invité du coup? Bah, je pense que je peux inviter quelqu'un. Ouais. Du coup, je dois aller m'acheter un costard quoi. Bah, tu sais, je vais dire que Salim, Youssef et Mehdi, ils en ont rien à secouer d'être en costard. Bah, je peux venir en maillot du PSG alors, c'est bon. Mais ils m'ont dit, vas-y, tu viens. Tu manges, tu bois, enfin, t'es à l'aise quoi, t'es chez Watt en fait. Ouais, t'es en loge quoi. Ah ouais, oui, ils ont acheté une loge. Mais une loge, il m'a dit, t'es à 10 mètres des joueurs quoi. Oh, ce serait fou. Il me dit, il y a les joueurs sur le banc, le staff et il y a nous. Oh. Genre, la loge, elle est insane genre. Frère, t'es proche des joueurs, si t'es à 10 mètres du banc, pense à un truc, quand vers la 65ème, tu nous entendras tous les deux en train de faire. Oh, pour que Tino fasse un changement là.
Mais un changement, ta grand-mère là. Oh, ce serait fou. Le à côté Pochettino, ta grand-mère, il m'étonne. À côté de tous les mecs en costard. Je crois que tu vas dire ça une fois, tu vas plus jamais revenir en loge, frérot. Tu sais, ça va commencer à me taper sur l'épaule, ça va dire, hey, ton pote, il est chelou, là, qu'est-ce que ta mère. Ça va dire, ton pote, c'est la première et dernière fois, hein.